Et voilà. Alors ça c'est très très mal dit. La valise est enfin faite, avec un chat qui veut visiblement rentrer dedans. Alors c'est une valise cabine, hein, et je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression d'emporter 1 003 fois trop de trucs, alors qu'il y a vraiment le strict minimum. Je sais qu'il y a des demoiselles et des messieurs qui ont 1 milliard de choses, question toilette, question beauté, etc. Moi vraiment tout tient là, quoi. Donc, tu veux quelque chose, Mania? Ah. Et l'autre chat là, qui veut squatter. Oh. Un peu gêné, voilà, on va pas se le cacher. Je voulais juste te dire que bah, là, il est 18 h et quelques. Justine, la voisine, arrive bientôt pour que je lui explique comment s'occuper des chats. Et surtout, j'ai reçu ça aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Vraiment, ça a dépassé ma boîte aux lettres. Hein. C'est très très beau, c'est chez Glénat. C'est une nouveauté, ça s'appelle le Manoir Sheridan. C'est une BD, là, c'est pas un manga. Et je le trouve déjà très très beau. Et je suis frustrée parce que je ne pourrai le lire que dans quelques jours. Voilà, au retour des vacances. Hein. Je ne vais pas partir avec ça, j'ai déjà trop de choses. Because I know.
voiture, j'attends parce que mes parents sont partis aller acheter une bouteille de vin, hein, entre alcooliques, on se comprend. Le vin au restaurant est très bon d'ailleurs. On a repéré déjà l'adresse. Est-ce qu'elle va repartir avec une petite bouteille? Oui, très certainement. Mais on sort d'une terrasse, il faisait très chaud. Mais en même temps, il y avait beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup de vent, donc c'était très agréable. Et ça fait du bien de ne pas toucher à son téléphone, ni à son ordinateur. Voilà. C'est agréable. Les vacances, c'est sympa. C'est la voix que tu veux, ça. Avec des rideaux typiquement provençal, hein. Provençaux. Bonjour, le français, c'est les vacances, hein. Faut m'excuser. Non, c'était pour dire que voilà, j'ai abandonné Rebecca Keane. J'ai recommencé à découvrir la beatlit. Je l'avais commencé à la fac, même si à l'époque j'avais vraiment un regard assez condescendant dessus, on va pas se le cacher. J'avais cette idée de lecture un peu grossière, un peu mal écrite en fait, et tout ce que je connaissais de la beatlit, c'était les gros titres que j'avais vaguement testés ado et qui vraiment ne me plaisaient pas. Donc comme en grandissant, on devient un peu plus mature, un peu plus curieux, un peu plus sage, je me suis dit pourquoi pas me relancer. Donc j'avais cherché vraiment de manière nulle sur Google meilleurs titres de beatlit, top 10. Et il y avait Rebecca Keane dans le lot. J'en ai commandé trois et Rebecca était la première lecture. Et finalement, c'est un peu un flop. Je suis déçue parce que j'ai quand même lu jusqu'à 150 pages. Et non, vraiment, j'accroche pas. Rebecca, c'est vraiment l'héroïne, la femme forte. Mais là, elle est vraiment trop forte. Elle fait tout le temps la gueule. C'est dommage parce que le vampire Raphaël me plaisait bien. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc là, il est bientôt midi. J'ai faim. Et après, on va aller se cultiver un peu à Aix-en-Provence. Ouais, je me balance. Avec une expo de peinture. Voilà, évidemment, je vous emmène avec moi. Allez, au revoir, Rebecca. Au revoir. C'est le fantôme.